Bonjour, voilà, j'étais joué Maloya. Bon, mais dans les années 95, on avait un petit groupe. Ben, tous les week-ends, nous t'es joué, mais on avait écrit des trois morceaux. Ben, en fait, depuis que j'ai écrit mon morceau, on n'a jamais fait sortir ni en CD, ni en cassette, ni enregistré cela. Et je t'aime aussi, c'est gay. Je suis un bon amateur de gay, mais j'apprécie bien. Mais il est plutôt local, hein. Rien que la musique locale, que ce soit Maloya, Séga, Ségué, ça c'est la musique locale que j'apprécie, que j'adore. Et en fait, je m'a transformé mon bon morceau en Maloya, m'a mettre en Ségué. Et m'a voulu faire partager aux autres ce que j'adore, ce que j'aime. Nena militaire influencé par beaucoup d'artistes ségouins. Ou l'ENA comme des artistes ségouins mauriciens comme Kalia. Et après, à La Réunion, j'ai adoré aussi le Malogué. Ben, il y a un artiste vraiment qui revient en tête à chaque fois, c'est le groupe Vient Bouger. Ou l'ENA Vient Bouger, on a essayé aussi. Voilà, et c'est vraiment les pionniers, hein. Les pionniers du Malogué, du Ségué pour moi. Et je puise à moi mon inspiration là-dedans, en fin de compte, dans ce genre de style de musique. Voilà, c'est ça, il la pousse à moi aussi, à faire aussi mon style à moi aussi, à partir de ces artistes-là. Ben, le groupe lui-même, il porte le nom de Capital Maloya parce que c'est vraiment des morceaux dérivés du Maloya lui-même. Hein. Et dans le groupe, Molena comme Mena et Bassis, un clavieriste, un gars joue percussion, un gars joue la batterie, et aussi un soliste. Le soliste nous va présenter en premier, il appelle Emmanuel Turpin. Ah, c'est un soliste dans le côté de sud. Et Molena est aussi un claviériste du côté de Saint-Paul. Il appelle Nick Turpin. C'est un bon claviériste aussi qui a participé à cet album. Et Molena aussi Laurent Cerveau, un bon batteur qui a bien appuyé à moi aussi sur le style aussi de Ségué pour bien poser la batterie. Et aussi, Molena aussi le bassiste, c'est moi aussi en fait, des bassistes et arrangeur aussi entre autres. Et pour au niveau conga, percussion, moi il y a mon petit garçon qui aime bien taper cela, Kenzo. Et voilà. Voilà, en fait moi il y a un studio déjà installé, tout cela, mais je travaille tous mes morceaux, tous mes arrangements chez moi, tout cela. Et avec tous les membres du groupe, ben, il y a des places à eux, tout y arrive, chacun y amène de l'inspiration. M'écoute tout, hein, mais m'y rejette jamais rien, m'écoute tout. Et à partir de là, m'essaye de former le mieux possible le morceau. Ouais, m'y retire ce qu'il y a de meilleur et m'y rejette pas rien. M'y retire, soit m'y arrange au mieux, ou soit que, comment dire, ben, m'y fait toujours tout pour le mieux, alors. Il fait toujours tout pour le mieux sans rejeter rien. Voilà. Et tout cela, je vais mettre dans mon arrangement pour au final que il ressemble à un morceau, il fonctionne. Il entend bien, il passe bien. Ah, mon source d'inspiration, comme il est écrit, ben, c'est la vie de tous les jours. Hein. Ah, mon bonnes histoires, nous peut dire que c'est un peu bonnes histoires vraies. Hein. C'est un peu la vie de tous les jours, m'y observe, m'y analyse, m'y regarde et il fait rire moins et en fin de compte, m'exprime à l'aide de la musique. Et dans mon musique préférée, soit c'est Maloya, soit c'est Ségué. Et vu qu'aujourd'hui, nous, on a plus tendance à refaire vivre le Ségué. Et au contraire, je veux faire revivre le Ségué à partir de mes morceaux, de cela, et parler un peu de la vie de tous les jours, de cela. Dans ma musique, comme je l'ai remarqué, je mets une petite touche d'humour. Hein? Je mets une petite touche d'humour et pour. Vous faites rien, tu fais la bouche aussi, comme il dit. Ah,
ben mon plat préféré, je pense pas, hein, c'est toujours le même, c'est gros gars et saucisses avec boucané dedans, hein, gros piment, ça pour moi, ça c'est le meilleur. Hein. Là, pour rien, il tape ça la réunion, hein, et mon camarade, et après ça gagne ses affaires, hein, et à moi, mes préférés, ça, moi, gros gars et saucisses boucané, ça, moi, ça fait ça. Ah, ils sont pas. Si mes TV étaient en affaire là, bon ben moi j'aurais toujours été être un animaux sur la terre même, hein, parce que de mon vivant le ciel n'intéresse pas moi. La mienne Mali, me regarde aller me baigner dedans, ben me connaissait pas mon nature. Ben si pour moi être un animal, j'aurais été un chien, ouais. Un joli petit toutou. Ah oui, c'est ça j'aurais voulu être, enfin voulu être, pas vraiment, mais s'il donne pas moi le soir. Ce serait ça comme nous aurait choisi. Oh la loi, la débarque dans son barreau. Tout le monde dans le quartier là pour guetter. Ben la pas pédé pour rentrer. Papé soulevé pas dans le casier. Non, 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 non.